Une exclusivité web d'Ami Télé. Mon nom est Gilbert Bernier, je suis chercheur à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, au centre de recherche. Je suis aussi professeur agrégé à l'Université de Montréal au département de neurosciences. En ce moment, je suis au centre de recherche de l'Université McGill dans le CUSUM. Et je suis à une réunion de la FFB Canada et où, avec deux autres chercheurs, on va présenter nos travaux pour mieux comprendre et guérir les maladies dégénératives de la rétine. Dans mon laboratoire, on travaille depuis plusieurs années sur les maladies dégénératives de la rétine. On cherche à trouver un traitement. On se spécialise sur la production et la croissance des cellules souches embryonnaires humaines. On a développé une méthode on va dire un peu révolutionnaire, pour générer des tissus rétiniens, des photorécepteurs à partir de cellules souches. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Claudia Nigrelli et je suis ambassadrice pour la Fondation Fighting Blindness. Je suis cliniquement aveugle. Aujourd'hui, je suis à l'hôpital McGill, au centre de recherche. En fait, aujourd'hui, avec le Foundation Fighting Blindness, c'était le Vision Quest. Et moi, j'étais ici ce soir, en fait, pour représenter un peu les gens qui souffrent de différentes maladies visuelles, pour un peu donner un peu d'espoir et pour leur montrer que tout est possible dans la vie. On a entendu parler beaucoup ce soir de les ophtalmologistes avec des nouvelles recherches. Donc là, on est à l'étape de faire des essais précliniques chez les singes, où on va transplanter des feuillets de photorécepteurs chez des singes rendus aveugles. Et on va voir si on est capable de restaurer la fonction visuelle. Donc, ces essais précliniques-là sont la base ou la preuve de principe pour éventuellement aller dans des essais cliniques. Les patients souffrant de la maladie de Stargardt, de dégénérescence maculaire, aussi de la forme tardive ou la forme terminale de la rétinite pigmentaire, où les gens perdent toute la vision centrale. J'espère qu'un jour, ces recherches-là vont devenir réalité pour que je puisse avoir la vie. Visitez amitélé.ca pour plus de contenu web exclusif.